Troisième type, j'ai un peu de temps encore. J'irai vite alors. Troisième type, sortir de la violence par la création culturelle. Les actions de sortie de violence s'accompagnent souvent de production culturelle. Les deux dimensions sont très imbriquées. Mais il y a aussi des situations où la production culturelle est relativement séparée de l'action sociale, où l'emporte sur celle-ci. Il a déjà été question, Michel en a parlé, d'un exposé que nous a fait Andrea Grider sur le Rwanda, où elle nous a présenté il y a quelques jours son travail qui est de transformation des traumatismes du génocide par la poésie. Des ateliers, des happenings qui mettent en œuvre le pouvoir cathartique de la création artistique. Trouver des mots pour dire l'indicible, pour tenter de tenir l'horreur à distance. À l'inverse, après l'assassinat de son fils et des amis de celui-ci, le poète mexicain Javier Sicilia a pris la décision de renoncer à la poésie et de se consacrer à l'action, à la lutte contre le déferlement des violences au Mexique. On pourrait évidemment, je prends seulement ces deux exemples contradictoires et je passe à mon dernier point. Il y a une question qui mérite qu'on lui fasse une place à part, celle de la mémoire, l'histoire et l'oubli, pour reprendre le titre d'un livre de Ricoeur qu'un politicien français a rendu de nouveau célèbre, malgré lui, récemment. Il y a lieu de prêter une attention particulière à des expériences qui mettent expressément au centre les processus mémoriels. Les commissions de la vérité et de la réconciliation, les centres de la mémoire historique, dont on trouve de nombreux exemples en Afrique, le plus connu bien sûr est celui de l'Afrique du Sud, en Amérique latine, l'Argentine, le Chili, le Guatemala, le Pérou, la Colombie, connaissent des commissions de la vérité, de la réconciliation, des centres de la mémoire historique. Des musées de la mémoire aussi, dans certains pays, plus aléatoires, au Chili, au Pérou et un projet en Colombie. Les procès pour crimes contre l'humanité déjà mentionnés, ils ont également leur place ici, dans les processus mémoriels, tant il est vrai, comme l'affirme Sophie Davio que je vois là-bas, que l'une de leurs principales fonctions est de mettre en récit les mémoires, de produire une mémoire collective de la violence. La question des exhumations de charniers, Valérie Robin et Anne-Marie Lozonski viennent de consacrer un livre à ce phénomène en Amérique latine et en Espagne. Et l'objectif de ces exhumations, écrivent-elles, est triple. Rendre leur dignité aux défunts, apaiser leurs familles et permettre la réconciliation nationale. Alors, je ne peux pas terminer sans dire quelques mots sur les mouvements pour les disparus, pour la mémoire, contre l'oubli, particulièrement importants en Amérique latine. Des organisations et des mobilisations de ce type ont vu le jour dans les pays qui ont connu des dictatures et des guérillas, ainsi que dans ceux qui ont été frappés par des violences politico-mafieuses, c'est-à-dire au total dans presque tous les pays de la région. Les femmes y jouent un rôle absolument capital. Tout le monde a entendu parler des associations des mères et grands-mères de la place de Mai à Buenos Aires, mais des associations de victimes ou de parents de victimes, souvent autonomes, parfois liées à des ONG ou à des églises, se sont développées depuis les lendemains du coup d'État de Pinochet. Dans la semaine même, un comité de ce type s'est formé au Chili, jusqu'au mouvement au Mexique d'Ayotzinapa, le mouvement pour les disparus d'Ayotzinapa, c'est ces étudiants victimes d'un massacre en septembre 2014 dans l'état de Guerrero au Mexique, en passant par le Pérou, la Colombie, l'Amérique centrale, la liste est longue. Les notions mêmes, c'est ça que je voudrais souligner, les notions mêmes de disparus, desaparecidos, de détenus disparus, de disparitions forcées, ont été, sinon inventées, du moins développées, est précisé à partir de ces luttes au Chili, en Argentine, en Uruguay, en liaison avec des ONG comme Amnesty International ou avec des juristes et des instances internationales. Alors, je termine. Ce texte est une ébauche, il n'appelle pas vraiment de conclusion.
Je m'en tiendrai à une seule observation, en fait une question qui court en filigrane tout au long de mon exposé et qui m'angoisse quasi particulièrement, qui est celle-ci. Sortir de la violence suppose de sortir de la victimisation, passer du statut de victime à celui d'acteur. Comment s'ériger, et c'est la question, comment s'ériger en acteur devant les violences extrêmes, contre des forces qui détruisent toute capacité d'action, qui détruisent les fondements de la vie en commun, l'idée même d'humanité. Merci.